Salut, c'est Florent Manodou, ancien nageur, ancien handballeur, de nouveau nageur. J'avais vous parler de Yann, que j'ai connu en 2016 quand j'ai commencé le handball. Il était kiné, d'ailleurs il est toujours kiné au PAUC, j'ai joué dans l'équipe 2, puis il fait quelques petits matchs avec les pros, matchs amicaux. C'est là où j'ai bien discuté avec Yann, parce que j'avais quelques petits problèmes étant un poisson et de retour sur terre. C'était un petit peu compliqué pour mon corps, qui n'est pas un corps très léger. Je fais plus de 100 kilos, donc c'était compliqué, notamment pour les périostites. Donc il m'a aidé beaucoup sur ça. J'ai eu pas mal de tapes dans ma carrière de nageur, mais j'ai eu des tapes que j'avais jamais eu en tant que handballeur, notamment justement sur ces matchs que j'avais fait en pro, enfin avec les pros, pardon, à Saint-Étienne, où je m'étais fait arracher le bras sur un tir, et du coup j'avais une petite entorse du coude, et j'avais eu, je me rappelle, un tape drainant, avec plein de petits tapes coupés en longueur. J'avais trouvé ça assez marrant, assez joli, j'étais content. Et voilà, je pense que c'est le tape qui m'a le plus marqué, celui qui m'a le plus aidé. J'en ai aussi un autre qui m'a beaucoup aidé, c'est pour mes périostites, pour absorber les chocs sur le devant du tibia. Donc je pense que ces deux tapes-là m'ont un peu marqué dans ma carrière de handballeur. Je les utilise plus dans ma carrière de nageur, mais je pense que j'en aurai d'autres, et je suis sûr que Yann pourra m'en faire plein. Je pense que j'ai essayé tous les tapes avec lui pour les formations, et c'était cool. Donc voilà. Je pense que... Qu'est-ce que je pourrais dire de Yann? Ça m'est cool. Qu'il prend du temps de soigner, ça c'est hyper important. Voilà, je pense que c'est son atout numéro un, c'est qu'il essaye vraiment de comprendre les blessures, etc. Et je trouve ça génial. Donc j'ai eu du plaisir à bosser avec lui. Peut-être que je rebosserai avec lui si un jour je refais du hand dans ma carrière, ou même si en tant que nageur, je sais que j'ai besoin parfois, en étant dans le sud de la France, de ses services, comme on dit. Peut-être que je referai appel à lui. J'espère en tout cas, parce que c'est devenu un bon ami aussi. Voilà, à bientôt.